Calais nel campo, e Alpha è un migrante che arriva dalla Mauritania e là da questo, lo scorso inverno, e adesso ci racconta quello che sta vivendo a Calais. Bon, voilà, moi je suis, je m'appelle Alpha, je suis mauritanien et ça fait presque 6 mois que je suis dans les jungles. Et j'ai une histoire qui est un peu longue parce que j'ai fui la Mauritanie. Je suis né dans un petit village qui s'appelle Tekan, c'est à 54 km de Rosso. Et j'ai quitté mon pays en 2005 et j'ai passé par la Syrie où il n'y avait pas la guerre en ce moment. Et j'ai fait 1 an en Turquie, j'étais pêcheur à Istanbul, j'ai fait 6 ans en Grèce, j'étais menuisier métallique à Athènes, j'étais réceptionniste dans un hôtel à Rhodes, il y a des gens qui disent Rhodes. Bon, j'ai quitté là-bas parce que je n'avais pas de papiers, je faisais toujours des prisons, 3 mois ici, 6 mois là. J'ai couru pour aller vers la Bulgarie, la même chose, et j'ai quitté aussi pour aller en Belgique, où je vivais près de la gare de Midi, et la même chose, j'ai quitté aussi pour aller... pour venir en France. Voilà. Moi, j'ai déposé l'asile en France et en ce moment, j'attends que ma réponse. Et toi, tu es ici, on est chez toi, ouais. À ta maison. Ouais. C'est une maison. Raconte un peu l'histoire de ta maison, comment tu t'es installé ici. Bon, voilà, ma maison, elle est là. C'est une maison typique Pel. Je suis Pel. Il y a d'autres qui appellent Fulani. Et j'ai construit ma maison, un, pour me respecter moi-même. C'est ma culture. Les Peuls, c'est des nomades qui sont en Mauritanie, au Mali, au Niger, en Guinée, au Mali et au Sénégal. C'est des tribus qui vont avec des vaches, c'est des nomades. Bon, en 1989, la Mauritanie a fait la guerre avec le Sénégal. Et du coup, nous, on habitait à Tekan. Et on nous a pris, on nous a refoulés au Sénégal. Et après, en 2002, il y avait le président Diouf, qui est du Sénégal, qui ne voulait pas faire la guerre. Et qui a fait la paix en 2002 avec la Mauritanie. Et du coup, en 2002, on nous a ramenés en Mauritanie, à Tekan. Parce qu'au début, on nous a ramenés au Sénégal. On a pris toutes nos vaches, toutes nos terres. Après, en 2002, on a fait la paix, on nous a retournés en Mauritanie. En 2005 encore, les événements ont recommencé alors. Et du coup, moi, j'avais marre de ces problèmes qui se commencent ensuite en tuant les gens, en prendre les bétails des gens, prendre la terre. Et j'ai fui pour venir en longue histoire jusqu'à Calais. J'ai choisi de faire ma maison parce que je suis Pel, je me respecte. Je pouvais faire une bâche noire comme tout le monde. J'ai dit non, on va changer le monde. Parce qu'on n'est pas des gens qui sont rejetables, c'est des gens qui sont utiles dans le monde entier. Parce que moi j'ai décidé de dire précisément à Calais, les gens ont peur de nous, ils disent n'importe quoi, des choses très méchantes, que les gens sont des voleurs, c'est des violeurs, ils sont venus en Europe pour voler le travail des gens, alors que c'est pas vrai tout ça. Moi je me suis réveillé parce que vous avez vu, je suis artiste là où je vous parle, j'ai fait mes œuvres d'art et tout. Donc ça veut dire on n'est pas venu pour prendre les travail des gens. Et ensuite, la plupart des gens qui sont là ont fui leur pays parce qu'ils ont des problèmes. Et c'est pas juste le problème de la guerre qui est un réfugié. Les réfugiés, ça comporte beaucoup d'autres choses. Parce que si tu fuis ton pays, comme moi, 10 ans de route, si j'avais la paix chez moi, j'allais retourner. Mais je n'ai pas la paix, c'est pourquoi j'ai fait 10 ans de route chercher là où se réfugier pour avoir la paix. C'est pourquoi je suis là, donc ce n'est pas seulement que tu es en guerre, ça veut dire que tu es réfugié. Les réfugiés, c'est toute personne qui est menacée chez lui, et c'est un réfugié. Donc il ne faut pas qu'on fasse allusion disant que juste les pays de guerre sont des réfugiés. Toute personne qui est menacée chez lui est réfugié. Voilà. Oui. Écoute, au Sénégal, je n'ai pas duré là-bas, je me suis retourné parce que je n'ai pas l'habitude de l'être là-bas. J'étais habitué à mon village, oui. En Mauritanie, et du coup, je me suis retourné. Oui, voilà. Être dans les camps. Oui, parce que, voilà, bon, moi, j'avais décidé de faire des choses, pas juste pour moi, j'avais décidé de faire des choses pour toute personne qui est dans le camp, et spécialement les Soudanais qui sont venus. On a dit Darfour, la plupart d'entre eux, c'est un pays de guerre.